Son expertise est très appréciée à la télévision. André Manoukian s'est notamment fait un nom auprès du grand public grâce à sa casquette de juré à plusieurs reprises pour La Nouvelle Star. En parallèle, il n'a cessé d'enrichir sa carrière musicale de plusieurs albums. Des expériences qui auraient pu lui permettre de postuler à un poste dans l'équipe professorale de la Star Academy, dont une saison sera à nouveau diffusée sur TF1. Mais, André Manoukian serait-il réellement intéressé par la proposition? Je dirais non, a-t-il fait savoir honnêtement auprès de public, ce vendredi 17 mars. André Manoukian ne se sent pas en adéquation avec ce qui contribue au succès de l'émission musicale de TF1. Je pense que ce qui a fonctionné, si est-il le côté télé-réalité pour les gosses, a fait savoir l'auteur-compositeur de 65 ans à nos confrères. S'il concède tout de même que ces émissions sont importantes, et ne veut pas cracher dessus, l'ex-compagnon de Liane Folly est finalement bien là où il est. Si je dois faire de la comédie, je préfère jouer dans un téléfilm, a-t-il conclu son propos au sujet de la Star Academy, auprès de public. André Manoukian et le retour de la nouvelle star. La Star Academy n'est donc pas la tasse de thé d'André Manoukian. En revanche, serait-il prêt à rempiler à son poste à la nouvelle star? Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas perçu de la même façon. L'époque est plus policée, a-t-il indiqué à public. Il s'était montré davantage optimiste au micro de RTL, en février dernier, estimant qu'un retour de la nouvelle star pourrait être dans l'air, à une condition notamment, si jamais l'anniversaire fait un bon score. L'artiste a eu sa réponse puisque les deux soirées spéciales, diffusées sur M6 pour les 20 ans du programme, ont conquis 1,81 million de curieux en moyenne, note Pure Média. Une faible performance qui peut ne pas motiver M6 à relancer son télécrochet musical, dans les prochains mois. Crédit photo, Jack Tribeca.